Bonjour et bienvenue sur votre télévision citoyenne du bassin minier, Télégoël. Une semaine culturelle au lycée La Peupleraie de Salomines. Faire entrer la pratique artistique et les artistes dans les classes est un projet que le lycée professionnel La Peupleraie de Salomines mène depuis plusieurs années. Du 16 au 20 février dernier, une semaine riche en culture a permis aux élèves de participer à des ateliers avec de nombreux intervenants professionnels. 8 groupes qui ont fait partie de la semaine culturelle, qui ont pratiqué des ateliers de slam, d'écriture, de théâtre, de marionnettes, de photos, et il m'en manque un en art. On m'a contacté donc en tant que plasticienne dans le cadre de cette semaine culturelle au lycée de la Peupleraie, donc c'est en me proposant notamment de travailler sur le souvenir des morts. Voilà, on a essayé. J'ai conscience que c'est quelque chose d'une notion assez difficile à aborder, surtout pour des adolescents. Donc on a essayé d'en faire quelque chose de poétique. Enfin, le souhait que j'ai émis assez rapidement, c'est que ce soit un travail collectif. Puisque dans l'idée de comment on se souvient des morts, il y a quelque chose, pour moi, dans tous les cas, qui touche à la commémoration. Donc la commémoration en tant que geste collectif, c'est l'idée que j'ai eue en tête très rapidement. Et donc ce que je souhaitais mettre en place, c'est quelque chose qui soit plus de l'ordre de l'expression collective que d'un geste individuel, pour s'approcher et toucher du doigt ce rapport à la mort, voilà, et au souvenir. Ces silhouettes, c'est l'idée d'avoir un souvenir qui soit un souvenir vivant des morts, puisque les silhouettes qui ont été réalisées sont les silhouettes des enfants qui sont là enfin des enfants, des ados, qui sont là dans ce lycée. Donc elles sont reconnaissables. L'idée était d'en faire aussi des silhouettes réalistes, qu'on puisse chacun les identifier, pas directement évidemment, et après symboliquement, pourquoi ce ciel, pourquoi cette représentation du ciel, parce que pour moi c'était, ça fait référence à quand on doit exprimer la mort à un enfant, souvent on lui dit, voilà, il est parti au ciel, peut-être qu'il te regarde et qu'il est dans le ciel. Donc voilà, c'était ces deux notions-là, la notion du vivant qui se joint à une notion plus symbolique qu'on a voulu exprimer ensemble. Voilà, et ça donne cette installation spécifique.